je m'appelle Monsieur Ntamboué Kalala, Basile Adolphe. Je suis ingénieur agronome et ingénieur environnementaliste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la transplantation. Donc, enlever notre jeune plante, notre plantule du polybac, le sachet que vous voyez là, et comment est-ce qu'on peut faire la mise en place. Ici, comme vous voyez, nous avons déjà préparé notre trou. Ici, on n'appellera pas ça poké. Poké, c'est pour le grain, mais ici, on va parler de trou. Notre trou doit avoir la dimension de 40 x 40 x 40. C'est 40 longueur, 40 largeur et 40 profondeur. Nous avons déjà préparé notre trou pour la transplantation. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on creuse le trou, on doit prendre la couche arable du dessus, on doit mettre ça de côté. Et quand on enfonce encore la bêche au fond, on va prendre le sol du fond, on mettra aussi ça de l'autre côté. Et après avoir creusé 40 cm de profondeur, on va prendre la terre arable, on va mettre ça à l'intérieur pour que ça puisse être en contact avec les racines. Et la couche de fond sera au-dessus comme couche de soutien. C'est comme ça qu'on doit faire. Nous allons prendre la couche arable qu'on a mis de côté, on va mettre ça d'abord au fond pour que ça puisse être en contact avec les racines de la plante. Et la couche du fond, qui est peut-être un peu jaune, la pauvre, doit être maintenant mise au-dessus comme couche de soutien. C'est comme ça qu'on fait la plantation. Nous allons d'abord prendre la couche. Ici, malheureusement, on a un peu mélangé la terre. Nous allons prendre une couche qu'on doit mettre au fond. Typiquement, notre couche arable, Madele, ou la couche arable Tochie. Tochie, on a un assez. Et ça, Penza Kitoko. Il y a moins d'eau. Sikoyo, Tozo Zoua, Plantule Nabiso. Ça, c'est notre plantule de l'avocatier. L'arbre, c'est un avocatier. Nous allons maintenant, avec la lame de rasoir, pour libérer sachet mabele ouzanakati, la lame de rasoir, et puis toko sala moi incision moko en forme de T renversé. Puisque toko ki kolo n'a jamais plantule na sachet. Sachet est mis décomposera difficilement puisque mingi ba sachet toza nango eza non dégradable hein, naturellement et ko umela. Plante ko na maramu te. Et là maintenant, je vais faire l'incision de haut en bas. En terre renversée, mais tu bosses mon awa, na zokata, katikati na kati, ekititi na se, na kati ango nenge bomoni, eza lokola te, siko eza te renversée, siko mutu ya tende na zokata ango siko na kote boye, siko kati en terre renversée, lame de rasoir na tche pembeni, esil mousala na ango, toko zwa siko yo, plante, ma motte na yango mobimba, to fongoli plante, ozo mona ke to garder plantule na biso, ata soki to repiki yango mo eza makasi boye, tango toko lo na yango, to tche mabele e boku fate. Mais soki to panzi, misisa etikali libanda, plante eza na risque kaka e koufa, puisque wane ko sibir stress makasi. Donc, une fois vous ouvrez votre polybac comme ceci, je prends ma main droite, je mets au fond et je renverse comme cela, je me débarrasse de polybac, la motte de terre nanga nazo déposer en haut na kati ya limulu. Je dépose ça au fond de notre trou. Alors, je dois m'arranger pour que niveau ya mabele na niveau oyo et dans la même niveau na mabele o na kotia puisque banzete indimakate kouchi à mabele et bele, comme si on faisait le butage, on mettait de la terre. Et tigali ndenge wana. Maintenant, je vais encore ajouter de la terre. Je vais ajouter. Et puis, na ko chasser. Na zo benga na mou pepe. Ce qui mou pepe ouzala, mabele ndenge na tche wana. Et stali moi batrou mou pembeni, na fini. Nous avons fini, pour que ce qui nous pépé ko kozala na sekuna et longwa. Arrosoir, merci beaucoup. Awa, ce qui nous a fini, nous avons arrosé. Nous avons arrosé, nous avons fait maille pembeni.
pour que et quand la plante se relonge en dengue na sali boy et kokou faté. Voilà. Ah ouais. Et silici to silici presque dengue nini balona la plante. Bon, awa toza na mulangi, milangi. Tel que bozo mona ngwa tondani na bilanga musu to boaki kuna. Tozo lokota ba milangi oyo bato bazo boaka. Ko biso ba environnementaliste, nous avons ce que nous appelons le principe des 3 R. R comme réduction, donc il faut réduire la production des déchets à la fin du cycle donc de production. Il faut produire des déchets mukés à la muké muké muké. 2, tout ça le principe où il y a réutilisation. Donc et loco oyo basale la qui en par exemple pour la maïs, nous c'est toujours au moulin oyo. Donc basale la qui pour la macambo nous sur la zui, dans le côté moulin oyo, la mélélé en maïs et après je peux acheter du pétrole, je mets dedans. Je peux y mettre l'huile de palme. Je peux utiliser ça autrement. Mais awa, nous allons utiliser ces bouteilles pour faire l'irrigation goutte à goutte. Tout ça, na moulangi neti boye, nous tenions ça aux anango nanda konaye. Mais les limaï, qu'on boit quand on balabala la terre, qu'on décotonne de sa rivière, comme on voit dans la rivière Kalamu, ainsi par-ci par-là, c'est mauvais. Ça, c'est polluer la nature, polluer l'eau. Mais nous récupérons ces bouteilles et puis après, toko tia maï na kati et puis toko sala moi ma dessous mike avanase et puis toko tia ango pembeni à plante, mais tia toujours la tomate, toujours aubergine. Maï wana banda ko kende goutte à goutte, mouke mouke pendant 3 semaines, pendant 2 semaines. Probablement si vous réglez correctement, écoutez au sala 2 semaines. Alors yo au banda comme on n'a pas cité. Hein, venir chaque fois arroser, arroser de temps en temps, c'est fatigant. Prendre 2 arrosoirs, si vous n'avez pas la pompe à pédale ou bien la pompe à main, là-bas, c'est souffrant. Alors, toko zo ba milangi neti o toza na ngo awa, neti ozo mona toza na moulangi, to tondisi ango mai, et puis moulangi neti to tondisi mai, toko sala madusu mi bale. Madusu mi bale, on est pour permettre mon pépé kota kana li dusu moko, et bi mela di dusu mususu. Procéder les amis balés. Soit tu rentres au l'icolo et puis tu renverses mon langue. Tu conduis on a mabélé d'une façon inclinée à 45 degrés. Mais on a du mamouké mouké. Mais une autre façon de faire est de faire des petits trous ici en bas. Yango nazo sanasiko yo. Je vais trouer. Je fais des trous comme vous voyez là-bas. Je percé et bimé. Oui, la salle de dessous à mi balé à oua et bimé. Vous avez un builder tango et zomata et zo baké mon pépé coti déjà et que coutine de kamaï et l'eau va maintenant couler. Net to kangi l'icolo, ma sina troué net to kangi l'icolo maï ou couleté. Mais si on appliquait une pression au-dessus, vous allez voir que maï ou couler. Alors pour que ça la automatique n'a qu'au sala n'a qu'au régler à partir à couvercle n'a au-dessus ici et de moi. Nazo fungola, malembe, malembe. Vous avez un builder qui est mati, cela veut dire ma ezokend. Donc, nazo observé, ce qui goutte mon écoulé, malembe, malembe, n'est bien. Alors, nazo réglé, malembe, nazo fungola, malembe, malembe, n'a mon goutte mon écoulé, n'a fungoli. Ce qui n'a fungoli, mingi, pression ce qui est l'équi, et au banda goutte, n'a la pression est l'équi. Réglage, ma ezokend, mbangu, et au coulé, n'yonso. Alors, il faut régler en fermant légèrement et permettre que les mains coulent goutte à goutte, net tout le monde en a, et ils coulent goutte, 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 et puis ils ont moulangi, la position en a dessus sur que ils ont coulé goutte à goutte, ils ont coulé des bozo mona, et puis ils ont tiens go pembeni, il y a plante, il y a tomate, net il y a wa na tiboy. Nandenge ils ont coulé wana, la touche qui me fait au micro, parce que nandenge na tiboy. Si on a tiré la plante, on a coupé pendant 2 semaines. Je ne vais pas commencer à arroser puisque l'écoulement sera automatique. Et on a quitté malembe, malembe, et on a arrosé la plante. Mais ceux qui n'ont pas tous les jours arroser, c'est vraiment fatigant. Donc, on a un système malam, on a récupéré des bouteilles. On a tondu la maman et la calam, vous récupérez ça. Attends la fleur na on a le pango si vous n'avez pas le temps d'arroser pour ça les cas ma dessous mouké moi les balais au régler dans les colos mouké mouké et puis
et qu'on permette à ce que ma plante nayo et à l'arroser à ta sokozate. Vous voyagez une semaine, deux semaines, si ma nayo, ma plante nayo, ma banda vous a la caca bien nourri, na maille alimenté na maille. Ok, ici nous sommes en train d'arroser les soja, c'est pendant la saison sèche pratiquement. Voilà, ça c'est une pompe aspirante. Bazo pompe qu'on a ma boko, vous avez demandé bazo pompe qu'on a nandé toujours arrosé. Donc si vous avez la pompe à bouiller, au quoi arroser bilangana yo très bien sans beaucoup de difficultés. Alors, toujours la saison sèche. Alors, toujours arroser en gros pour que et bota bien, puisque ceux qui te pompe, ceux qui arrosent en gros, n'est-ce pas nous sabagous. Et vous allez déjà moi ma bé et vous bota sur un gâteau, toujours arroser comme ça et bima. Soyez bien, madame. C'est l'ingénieur Ghislain Kindoki, l'ingénieur agronome phytotechnicien. Aujourd'hui, on voulait juste parler sur l'aperçu du riz. Le riz, c'est une graminée. Quand on parle graminée, donc cela veut dire graine. Et ça, graine, il manque au hasard dans deux familles ou deux espèces. Famille Oryza sativa et puis famille Glaberima. Glaberima, c'est une espèce africaine. Oryza sativa, c'est une origine asiatique. Mais l'importance de l'Oryza sativa, elle occupe, c'est une denrée alimentaire, elle occupe la troisième position au monde, la quatrième position en Afrique, précisément au Congo, après le banane plantain, les manioc, les maïs, et puis le riz vient à la quatrième position. Il a aussi ses techniques. Quelques techniques qu'on va en parler, il a les techniques qu'on doit installer. Il faut d'abord faire les sarclages, préparer d'abord notre terrain. Le terrain se fait en bloc ou à casier. Donc vous pouvez prendre notre terrain, c'est bien déjà préparé. On a déjà fait la délimitation et puis on a préparé notre casier là. Et puis avant d'installer les riz, il faut d'abord mouiller encore les terrains préparés. On va mouiller notre terrain. Toujours mouiller terrain haut, pourquoi? Parce que tant toujours ça la répliquage nabiso. Répliquage, ba paysan mingi ba benga ngo kolona. Mais nous, dans les termes scientifiques, on dit toujours répliquage. Pourquoi répliquage? Et permettre biso. Tant aux autres à pépinière, on a dit surtout plante, on a dit tout ça, on a ma belle époque et moussapi, on a dit surtout à choqueté. Pour moussapi, on a choqueté, il faut d'abord mouiller les terrains. Parce que les riz s'adaptent facilement dans les sols plastiques, précisément dans les sols argileux. Mais ça dépend aussi d'une variété à une autre, parce qu'il y a des variétés qui aiment des sols sèches. De quelles variétés? On peut parler toutefois des jasmines, des sipis. Sipi n'a ma belle ou les anneaux sablonnés. Ce qui m'a belé en haut et en haut mouillé, à côté peut s'adapter facilement. Mais tandis que la variété moussoussou, ça demande que des sols plastiques, tels que jasmine, le sol est argilé, à maintenir pourquoi? Parce que le sol est argilé, à garder l'humidité d'eau encore. Mais tandis que le sol sablonné a séché ça facilement. Il y a un sol sablonné, tu es obligé, si tu as un système d'irrigation, il faut tout ça, tout le monde pour mouiller le sol nabiso chaque jour. Mais pourquoi tu as mouillé le sol nabiso chaque jour? Ce qui peut mailler les kimings, ça va nous amener la pourriture. Pourriture et que les sabiso, semences nabiso hautes, tu as ça. Mais les riz, on peut les semer à deux façons, semi-direct, on peut faire aussi par des pépinières. Voilà, on a fait par des pépinières. Là maintenant, on va commencer à installer. Pour ta pépinière, on a vu ça. Comment on essaye de le lengeni au yotokopi pour répliquer bilan qu'on a vu ça. Mais répliquer, pour répliquer, les Canadiens façon. Il y a deux façons qu'on peut répliquer. Mais ça va de pair avec l'écartement. Pourquoi on dit l'écartement? Parce que l'écartement permet à la plante de bien bénéficier des éléments nutritifs tout autour de lui. C'est le écartement. Pour les paysans, ils ont toujours ça écartement pour épaisser la plante nabiso ou toujours ça dans ma belle, à zoapena, belema yama lamou, pour et ça là été à coca coco la vraiment malam. Mais Tolobi, il a aussi des fleurs, mais ce fleur a des caractères orthogonales. Quand on parle orthogonal, cela veut dire qu'il a l'organe mâle
et l'organe femelle. Il peut se produire lui-même. Sur le plan lumière, l'érythrée, c'est une plante de la lumière. Il aime aussi l'eau. Pourquoi? Sans présence d'eau, l'eau se moyen beau tamalamou. Exact. Parce que la racine naïe et kobeba. Kobeba tant au kobeba pourquoi? Et que la évaporation, tant au moto, chaleur, et zobi malama belé. Et zo sala et que humidité d'eau y a bénéficié à nango, à bénéficier nango du sous-souté. Et comme à ko sécher et puis kobeba sa racine. Tant racine est commis déjà kobeba, sache le bien que le plante aussi va commencer maintenant à jaunir. Et maintenant, on voulait juste montrer comment installer notre pépinière de riz. Vous savez comment c'est que neni ni tokoki ko tia sikoyo pépinière na biso na plate na casier na biso to na bloc na biso. Ça c'est une pépinière. Il faut to longola ngo malembe malembe parce que ce qui to bendi makasi ndeti par exemple to bendi bo. Comment ni bimina racine. Mais ce qui racine nango o etatani, tu vois, il y a un tegil ici. Tegil o yango na ndem se permet la fixation il y a racine makasi. Il y a aussi ramification. On va compter le nombre de panicules par des ramifications. Ramification, c'est quoi? Donc, il y a des plantes, la plante est beau, tata, mipandi, mipandi. Il y a un des salariés qui ont été ça, des pieds. Des pieds, on a cela, des graines. La carte, il y a graines, on a mis surtout, ça, c'est la grimelle. Quand on parle de grimelle, ils ont converti, ils ont englobé graines, ils ont la carte. Pour les anacates, il y a un converti, on a les bananes, on a des grimelles. Mais pour la semence, on a mis tu peux répliquer boy. Tu peux tirer deux plantes par poké. Tu longoli, aujourd'hui on a nazar, na on longolango, na maël et nyon se font garder toujours racines là-dessus. Donc j'enlève pour protéger tout simplement les racines. Ça c'est notre plantine. Les plantines là-dessus toujours, toujours l'ingato tient. Mais ils ont un écartement RGG. Écartement n'est qu'à 20 fois 20. Pourquoi 20 fois 20? Parce que ça permettre la plante na biso à bénéficier d'éléments nutritifs oyo à se retrouver dans milliers oyo azali. 20 fois 20. La vie des plantes na biso. Pourquoi on a ces deux plantes? Parce que ekoyi kozana moko ekufi, moko e permettre musu soana sous sa sanine abima. Mais tandis que ceux qui to tient kaka moko, ceux qui ya kufi, ils a déjà perte. Pour les critères de recherche, pour les paysans ou les colonnes. Il y a tout ça qui a deux plantes. Pourquoi? Moi, je suis pour faire, je suis pour permettre de aider. Dans l'ONU, ma côté ici, je n'ai pas fixé. La fixé ma tasse, c'est pourquoi? Parce que la fixé ma tasse, il y aura racine et tétane. Je prends maintenant ma note riba. L'écartement exigé, c'est 20 fois 20. Je protège toujours mes racines. Si le sol n'est pas amené, il y aura des groutes. On n'aura même pas moyen de poser notre doigt sur le sol. Donc il faut que le sol soit mouillé. Il faut que ma belle nabiso ezala na mai pour permettre que mon sapinabiso tente aux salariés répicage et côte à malam. Mais si le sol n'est pas mouillé, on ne peut même pas arriver à mettre le doigt sur le sol. Mais au moni awa, n'engue rotsa il a l'os on a dit ce topé colon a l'os on a dit ce c'est comme ça. Jusqu'à la fin donc, il faut respecter toujours 20 fois 20. Mais c'est un écartement jugé par les normes scientifiques.